Michel, vous vous êtes déjà intéressé à la médecine sous beaucoup de formes, mais aussi à l'histoire de la médecine. On se souvient de votre livre Hippocrate aux enfers et votre documentaire aussi sur les médecins nazis. J'attendais votre passage pour vous parler d'un livre. Un livre qui est né à partir d'un recueil de 197 photos prises par les SS en charge du camp d'Auschwitz. Vous le connaissez, ce recueil, il a été montré dans énormément de procès et d'événements autour de la Shoah. Ce recueil de photos a été trouvé par une jeune juive, seule survivante de sa famille, Lily Jacob, qui est tombée dessus au moment où elle cherchait de la nourriture dans le bureau d'un SS au moment où on libérait le camp où elle se trouvait. Trois historiens, un Français, Tal Brutmann, et deux de ses collègues allemands, se sont livrés depuis 5 ans à un formidable travail d'études historiques de chacun des clichés afin d'en tirer le maximum d'informations. Ça donne un nouvel ouvrage, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes. Tal Brutmann a rappelé le contexte de ce projet à Myrthe Isser. Baum est réalisé à un moment très particulier dans l'histoire d'Auschwitz. C'est la grande déportation des Juifs de Hongrie. Et le projet, c'est de déporter plus de 630 000 personnes en 3 mois. C'est vraiment la plus grosse opération d'assassinat qui ait jamais été planifiée. Et en fait, c'est une opération de communication interne qui est destinée à montrer comment nous, les SS d'Auschwitz, on réalise le travail qui nous a été confié par vous à Berlin. Cet ensemble va avoir deux vies, à la fois dans la mémoire, mais aussi dans les utilisations historiennes. Et dans le même temps, lors du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 61, ou alors lors du procès de Francfort, ces photographies vont être utilisées pour parler des crimes qui ont été commis et même parfois pour incriminer un certain nombre de SS. On le disait, Michel, ce recueil de photos est très connu parce qu'on l'a utilisé depuis la guerre. Mais on ne l'avait pas assez étudié dans toutes les informations qu'il y a dans les 197 photos. On prenait d'abord en pleine gueule le regard, les cortèges, les visages de tous âges. Pendant 5 ans, donc, en observant tout, les ombres, les postures, les références de dates, de l'époque, les trois hommes, les trois historiens ont tiré le maximum de ces clichés. En particulier celle-ci, cette photo que Tal Brutmann décrit à Myrthe Isser. On voit deux femmes qui sont presque côte à côte, où il y en a une qui porte un mouchoir à son nez, ce qui renvoie immédiatement à la réalité du lieu où il y a une puanteur atroce qui résulte de la crémation des corps qui se déroule pendant 24 heures sur 24. Et juste à côté d'elle, il y a une femme qui tire la langue au photographe, qui est un véritable geste de résistance qu'on retrouve sur plusieurs photographies. Et ce qui est remarquable, on a des personnes qui, après 2 ou 3 jours de déportation dans des wagons à bestiaux, arrivent dans un lieu qu'elles ne connaissent pas, se retrouvent face à des SS en armes, et qui pourtant, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités, choisissent de défier ces photographes. Dans ces documents qui étaient destinés à leur chef, les SS d'Auschwitz ont pris le soin et le temps de poser. Ils attendent que le cliché ait été pris pour continuer le travail. Pas de traces de violence, sauf sur cette photo. Le photographe a laissé passer une brutalité. Pour montrer qu'ils travaillent bien, ils effacent toute trace de violence pour laisser sous-entendre que les opérations sont réglées au millimètre et qu'ils n'ont même pas besoin de recourir à la violence. En fait, quand on fait attention à nouveau, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a énormément de traces de violence, mais il n'y a jamais de violence exercée, sauf à une exception, dans une photographie, le photographe n'a pas vu qu'au moment où il faisait son cliché, il y avait un coup de canne qui était infligé à deux femmes qui venaient de franchir la sélection. Et ces cannes sont le principal instrument de travail utilisé par les SS sur la rampe quand ils font la sélection, c'est-à-dire ils décident de qui parmi les Juifs va vivre ou mourir. Et chacune de ces cannes, en fait, provient de l'assassinat d'un ou d'une juive. Le livre des trois historiens est sorti en France aux éditions du Seuil. Je pense qu'on doit l'avoir. Oui, je l'ai et je vais vous dire la vérité, c'est que ce livre m'a été offert il y a maintenant presque 3 mois, qu'il est sur ma table de nuit et que je ne l'ai pas ouvert. Suite à Hippocrate aux enfers, qui est sorti il y a, je sais pas, il y a 4, 5, 6 ans, j'ai une sorte de blocage psychologique qui fait que j'ai eu besoin j'ai fait beaucoup de recherches pour écrire ce livre, ça a été très difficile, on en avait parlé. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai une sorte de blocage psychologique que je vais régler, parce que je veux absolument ouvrir ce livre. Je n'ai pas encore pu l'ouvrir. Mais il faut qu'on l'ouvre. Il faut l'ouvrir parce que c'est des témoignages incroyables de ce qui s'est passé, et en plus des photos prises par les bourreaux eux-mêmes. Et la façon dont elles sont décryptées pour justement désécrire la propagande. Absolument. Que livraient les SS.